Grégoire de l'association Court Circuit. Et puis Manu, alors ça va être difficile pour Manu de se présenter parce qu'il est sourd. Tu veux te présenter ? Il est timide. Voilà. Donc nous on fait ça depuis 2-3 ans déjà maintenant et on voulait faire découvrir le body painting au Chapelle Bourbon. C'est pour ça qu'on a invité 4 body painters et on espère que l'année prochaine il y a un peu plus de monde qui vienne, qu'il y ait d'autres body painters parce que ce serait bien qu'on puisse faire quelque chose de récurrent en fait. Voilà. Le thème des deux journées c'est l'automne, donc on était un peu sur ce thème là aussi. Et puis, donc moi, c'est plutôt un personnage. Donc, c'est un personnage mi-homme, mi-animal, un peu maître de la forêt, si tu veux. Et c'est pour ça qu'il a, il a des choses un petit peu de la forêt sur lui. Il a des images de forêt. Derrière, il y a le maître corbeau qui est toujours régi. Et puis, il a son sceptre à l'animal aussi, à l'animal sauvage. Voilà. Voilà l'idée. Là, j'ai utilisé surtout de la technique éponge et pinceau. Parce qu'après, il y a d'autres techniques. Il y a des techniques à l'airbrush et tout ça. J'ai utilisé un peu d'airbrush, mais très, 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 très peu. Là, c'est surtout technique éponge et pinceau. J'en fais que depuis vraiment du body painting depuis 3 ans maintenant. Même plus, 4 ans maintenant. Ouais. Comment j'ai trouvé le modèle ? Bah, bien, il est bien. En fait, c'est un ami. C'est un ami. Et puis, il y a 3 ans. 4 ans maintenant, moi je lui ai demandé, tu veux être un modèle pour moi? Il a réfléchi, puis il m'a dit oui. Et maintenant, quand je lui demande, oui, voilà, il est toujours partant pour faire ça, et puis après, il aime ça. C'est bientôt la retraite, qu'il dit. Voilà. Parce qu'il dit qu'il est trop vieux. Bientôt la retraite pour lui. Il va essayer tout de suite. Hein? Brésil, tout dit, tout. Ouais. Il va essayer de dire non la prochaine fois. Là, il n'ose pas dire non, en fait. Mais après, je peindrai des femmes. C'est mon problème. C'est pas son problème. Aline, je suis maquilleuse. Et donc Mégane, je suis la modèle d'Aline pour la foire d'automne. Body painting, je dois en faire depuis 5-6 ans, je pense. Ouais. Alors, en petite quantité, et puis en fonction de ce que j'apprends comme technique. Et moi, ça fait 4 ans avec Aline, une fois par an, on se retrouve sur un même événement. Le body painting aujourd'hui, c'était sur le thème de l'automne, puisqu'on est à la foire d'automne du Val-Briard. C'est vrai qu'en allant dans le jardin, on trouve vite des inspirations. Et puis, connaissant Mégane et ses qualités de modèle, j'ai voulu représenter en fait un petit peu une fée de la forêt. J'ai utilisé plusieurs techniques. J'ai utilisé la technique du calboshi avec des gros pinceaux pour faire les fonds. Ensuite, j'ai utilisé les éponges et le pinceau de différentes tailles. Et aussi de l'aérographie en fait, avec des pochoirs. Moi, je m'appelle Viviane, ou Couleur Vive, c'est mon nom d'artiste. Je fais du body painting depuis 4 ans maintenant. Et sinon, je fais du face painting, en général, plutôt que ça. Et voilà, j'adore ça. Et puis, j'adore peindre Cédrina. Voilà. En fait, je suis modèle amateur en tout genre depuis une dizaine d'années. J'ai fait modèle podium, modèle photo. Et puis, je me suis penchée vers le body art parce que j'aimais bien ce côté mettre de la vie à une peinture. Et ça doit faire 4-5 ans que j'y suis. Et on devient facilement accro, surtout quand on a des artistes fabuleux. Moi, j'ai vu Cédrina à un des événements, un des grands événements en France qui a lieu chaque année au mois de mai. Et celle-là, je l'ai vue modèle d'autres artistes. Et je me dis, oh,
oh, bah, je vais lui demander parce qu'elle a l'air chouette et tout. Et voilà. Et depuis, bah, quand je peux, Cédrina, t'es dispo. Voilà. C'est comme ça. Ben, l'automne, et donc du coup, j'ai fait quelque chose de très différent de ce que je fais d'habitude, à savoir, cette fois-ci, j'ai fait vraiment un personnage, une créature en soi, ce que je ne fais jamais. D'habitude, je considère plutôt le corps comme un canevas et sur lequel je mets des pièces, plus ou moins harmonieusement, selon, selon ce que je fais. Et l'idée, c'est de faire ça. Et puis là, je me suis dit, ben, je vais changer, je vais faire autre chose. Je vais me lancer, je vais faire... Comme c'était l'automne, je me dis, je vais faire une créature des bois. Et puis en changeant de technique aussi, parce que j'ai utilisé donc l'airbrush, que je ne maîtrise pas du tout, qui est quelque chose de très nouveau pour moi. Et voilà, pour faire le cerf qui est là. Voilà. Et ben, voilà, donc c'était l'occasion d'un petit peu de temps en temps se jeter à l'eau pour essayer de s'améliorer, progresser. Et donc voilà, c'est ma créature des bois qu'elle incarne magnifiquement bien. Elle utilise des matières aussi premières qu'elle récupère dans son jardin, tout bêtement, par exemple le lierre, les pommes de pin, voilà. Et aussi des créations qu'elle fait elle-même, telles que le champignon. Donc tout ce qui est là vient d'elle ou est naturel, récupéré voilà. Dans son jardin. Thank you.